Là, on passe à la BMW Sport M3 vitre teintée. Elle est juste incroyable. Joli levier de vitesse. Avec deux gros pots d'échappement. Voilà. On passe à l'intérieur de la Audi. Une magnifique Volkswagen en Marlboro. Elle est juste classe. Voici l'intérieur avec le pommeau de trick pour changer. Wow, une magnifique Citroën avec l'air de refroidissement. C'est le volant sportif AMG. Porsche qui vient d'arriver maintenant avec des jolis étriers rouges. Et une Subaru plus loin. Waouh! On passe à la Simca ou ouais, je crois, avec des jolis pneus, les jantes. Voilà. Maintenant, place à la McLaren. L'intérieur commencé. Motortech.
tout en carbone. Voici le moteur après ici. Ça, c'est... les aires de refroidissement. Voilà, on passe à l'arrière côté. C'est une Renault Alpine. Joli aileron. Avec un beau pot. On passe à la Porsche. Siège bac et sport aussi. Joli aileron. Les arceaux à l'arrière, un bon maintien. Une Méhari. Voilà la Corvette. Magnifique Alpine. Voici l'intérieur refait spécialement pour le rallye. Celle-ci elle est belle aussi, l'esthétique et tout, comment c'est. Voici l'intérieur, les sièges bac et sport aussi, extract. Voilà l'intérieur. Magnifique BM, on passe à la Jaguar aussi ici. Puis la Porsche. BM, Mercedes. La magnifique Porsche. Chevrolet double pot. Audi TT RS. Magnifique Subaru. La Mitsubishi Evo, magnifique, avec le capot en carbone.
ce matin. Joli le volant. Une partie en carbone. Voilà une Corvette. L'intérieur du moteur. Quadruple pot d'échappement. La Mustang décapotable Ford RS. Voilà l'intérieur commencé. Joli aileron. Magnifique Nissan Skyline avec le volant à droite, la JTR avec le toit en carbone aussi, l'air de refroidissement, petit logo JTR. Belle caisse. Une Honda type R. Oh la saleté! Ouais, mais il a fait quand? Ouais, Marc, tu fais quoi? Tu sec! Bah, regarde d'abord, Karim, vas-y!
la Renault RS. Ici, il y a la 406 taxi réplique. Voilà, Mercedes Sport. Une magnifique Ford. Voici l'intérieur. On passe à la Volkswagen GTI avec un moteur surgonflé. Rabaisser les gens, la carrosserie R32. R32. Une Toyota Supra, comme à la Fast and Furious. Une magnifique Honda Civic Type R avec les tout gros pots d'échappement et la 370Z. Et maintenant, la magnifique Mercedes. Juste incroyable. Joli volant. Ouh, la Ferrari aussi à l'arrière, elle est monstrueuse. 50Z avec un gros pot d'échappement. Ferrari. Et alors il m'a appelé le mercredi, j'ai tout l'année cherché à... Un joli moulin. Trois pour la France, là, deux noirs, et une blanche, mais il est gâteau. La GT3 RS, elle est juste magnifique.
Thank you.